amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, d'accord, pour la période du 18 au 20 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, ok? Les énergies sont interchangeables. Si jamais cette lecture ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Prenez ce qui résonne et jetez le reste. Hi, angels, please give me a reading for my Libra. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Libra. Libra's energy. Hi, angels, please give me a reading for my Libra's, Libra's energy. Hi, angels, please give me a reading for my Libra's, Libra's energy. May 18th through the 20th. Les balances. Les balances. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous attendez une personne. On a ici quelqu'un qui attend le retour de son partenaire. On a ici quelqu'un qui attend le retour d'un amoureux. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'en attendant ici le retour d'un partenaire dans votre vie, il est probable que vous essayez vous-même de vous concentrer sur vos finances, vous essayez de faire un peu plus d'argent que d'habitude, vous essayez peut-être d'investir dans différents projets afin de pouvoir vous faire un peu plus d'argent. Mais on est ici dans une situation as well où pendant que vous attendez qu'un partenaire revienne dans votre vie, on a carrément un partenaire quant à lui qui attend as well le moment opportun pour à son tour revenir vers vous. On a ici quelqu'un qui se demande si vous l'attendez toujours. On a ici quelqu'un qui se demande s'il serait possible ici pour vous deux de vous remettre ensemble après plusieurs années de séparation, plusieurs années où vous ne vous êtes pas parlé ou encore plusieurs années où vous avez eu à vous débrouiller toute seule. Mais pendant qu'il y a ici une certaine incertitude sur le retour d'une personne, il est probable que vous-même, vous n'avez pas réellement une réponse radicale sur la situation. Vous pouvez peut-être dire aux autres, non, je ne veux plus qu'ils reviennent. Et tout au fond, vous attendez qu'ils reviennent. Et vous pouvez aussi ici être dans une situation où vous vous dites à vous-même, je veux qu'ils reviennent, mais je ne le reprends plus. Non, je ne le veux plus. Et après, extérieurement parlant, vous avez maintenant peut-être des émotions qui vont à l'encontre de ce que vous-même vous désirez dans votre cœur. Ok? Donc, on est ici dans une situation où il y a carrément ici une incertitude sur le choix que vous voulez prendre concernant votre propre personne quand il s'agit ici d'un partenaire en particulier que vous aimez toujours, que vous voulez récupérer, peut-être, peut-être pas. Vous ne savez pas. Pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation à soi, on a ici quelqu'un qui se dit « Non, je t'ai trop attendu. Non, je ne veux plus t'attendre. Non, je t'ai trop attendu. Non, n'essaie pas de revenir vers moi. » À un certain moment, je suis aussi fatiguée de subir à plusieurs reprises des blessures dans mon cœur comme si, voilà, je suis juste de la viande que tu peux découper comme tu veux. À un certain moment, je suis juste ici fatiguée de subir une certaine humiliation venant de ta part, juste parce que tu sais que je t'attends toujours. Hmm.
Je ne voudrais pas que tu me voies ici comme une personne qui attend ton retour et je ne voudrais pas non plus être vue par moi-même en tant que quelqu'un qui t'attend. C'est très difficile ici pour moi de réellement cerner ce que je veux entièrement, mais tout ce que je sais, c'est que cette incertitude que je ressens, est plus basée sur le fait que j'ai besoin de sentir que tu me respectes. Le respect de soi. C'est pour cette partie dans vous, il est probable que vous-même en tant que tel, vous vous battez ici pour exercer un certain respect de soi. Pas seulement pour vous, mais vous voulez aussi que votre partenaire puisse voir en vous que vous vous respectez. Surtout si dans le passé, you know, certaines choses ont été faites, certaines choses ont été dites dans le point où votre partenaire, à un moment, vous-même vous vous êtes dit que ouais, like, là c'est fini en fait, le mec il ne me respecte plus, c'est terminé, you know. Right here. So, on est ici dans une situation où vous-même vous avez décidé de ne pas chercher à récupérer une personne et de devenir carrément le miroir ici qui reflète les actions de cette personne envers vous. Si tu ne veux pas m'écrire, je ne vais pas t'écrire. Si tu ne veux pas m'appeler, je ne vais pas t'appeler. Si tu ne fais pas d'efforts pour me récupérer, il en sera pareil de moi. Et si jamais tu me bloques, je te bloque as well. Parce que dans le passé, quand je t'ai montré que je t'attendais, dans le passé, quand j'ai été tellement gentille, tellement nice avec vous, enfin je dis avec vous, avec toi, tu m'as prise ici comme si je n'avais pas d'importance pour toi. Pourtant, avant, on était en couple et j'étais ici la lueur de tes yeux, you know, like, la prunelle de tes yeux. Aujourd'hui, je me bats non seulement contre toi, mais aussi contre moi-même afin de refléter ici les actions que tu poses dans ma vie. Si tu ne veux pas de moi, je ne veux plus de toi. Et même si au fond de moi, j'ai l'impression que je t'attends toujours, je me battrai contre cette envie-là et je montrerai au monde que hell no, je ne t'attends plus. Des émotions vraiment très complexes ici que vous éprouvez pour une personne. Puis c'est un parti dans vous, il est aussi probable qu'un mariage soit en rapport avec votre relation. Soit vous avez ici affaire à quelqu'un qui est déjà marié, quelqu'un avec qui vous étiez fiancé, ou encore quelqu'un qui vous avait promis le mariage, mais jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais ici été capable de tenir sa promesse. À un certain moment, on a même ici l'expérience que vous avez vécu avec un partenaire qui vous a fait et qui vous fait toujours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, douter des valeurs même du mariage. Je ne sais même plus si je veux me marier. Je ne sais même plus si je veux me remarier. Je ne sais plus par rapport à un commitment que je peux ici avoir avec toi. Mais le problème, c'est que ce dégoût de commitment là que je ressens, ce n'est pas seulement un dégoût que je ressens que pour moi-même, mais c'est aussi ici un dégoût que je ressens aussi pour les partenaires futurs que je pourrais peut-être rencontrer. Je me méfie de tous et je me méfie de tout. Over here. Certains penseront que j'ai des critères, certains penseront que j'ai un certain standard. Diamond, what you doing? Mais à la fin de la journée, j'essaye de protéger mon cœur. À la fin de la journée, j'essaye de protéger mes propres valeurs à moi. Mes valeurs que personne ne voit, mais que je vois en moi. Que veux-tu donc?
Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes même ici dans une situation où vous venez d'apprendre que votre partenaire est marié, c'est un peu dans le sens là, hell no, tu ne m'avais pas dit que tu étais marié. Tu ne m'avais pas dit que tu avais déjà une famille, tu ne m'avais pas dit, you know, qu'il y avait une autre femme dans ta vie. Je ne sors pas avec les hommes mariés. Je ne veux pas sortir avec un homme marié. Et ne me demande pas non plus d'attendre ton divorce, parce qu'on sait très bien comment ça se termine, cette histoire d'attendre le divorce, d'attendre le divorce. De quel divorce parles-tu? À savoir si tu divorceras un jour. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. On a les Verseau, Vierge, Verseau ascendant, Sagittaire et Bélier ascendant. Bisous, bye.